Pas facile de traverser les siècles pour raconter de belles histoires et jouer du spectacle vivant. Il souffle un vent mauvais sur les pupitres et les musiciens sont sur la corde raide. Quant aux techniciens, ils n'attendent qu'une seule chose, que le rideau noir enfin se lève sur de jolies scènes. Nous autres comédiens, on se demande si par hasard la farce ne serait pas jouée ou si la farce est encore à jouer. Il faudrait quelqu'un de bien inspiré, un souffleur d'inspiration. On veut libérer la culture, mais qu'on lui donne des ailes et qu'on la laisse enfin respirer. Le public n'attend que nous, et nous n'attendons plus que lui. Je vais voir du côté cour ou du côté jardin si par hasard la culture ne serait pas en train de se planter. En attendant, à vous revoir bientôt. Allez.